Salam alaikum, chers internautes, comment vous allez, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre sujet se porte l'état de santé de notre route du village Medina Djambéré. Ouais, la route du village de Medina Djambéré, c'est notre village, c'est mon village natal. Ouais, c'est la route du village vers Velengara. Oui, aujourd'hui je vais vous montrer maintenant l'état de santé de la route. C'est un problème parce que pendant l'hivernage, on a un souci de se déplacer. Parce que voici la route là, une fois que ça pleut, personne ne peut passer, personne ne peut aller, personne ne peut mener ses courses vers la ville. Voici le village, c'est le village qui est là. Ouais, je suis à l'entrée de notre village. Oui, actuellement, l'herbe est grande actuellement. Maintenant, vous voyez l'état de santé. Vous voyez ici. Ici, c'est une deuxième partie. Ici, de la route, au milieu de la route de Velengara, à notre village. Oui, voici notre route là. Attends, je m'approche un peu pour que vous puissiez voir. Oui, en allant vers Velengara, on a tout le problème du monde. Hein. On a tout le problème du monde. Parce qu'actuellement, on ne peut pas aller. Vous voyez ici, c'est sous forme d'un marigot qui est là, au milieu de la route. Vous voyez là, les herbes là. Oui, c'est un type de marigot quoi. Une fois que l'eau vient ici, c'est plein. On ne peut pas passer. On est obligé de passer vers les champs de truies. Ouais, on est obligé de passer vers les champs de truies. Maintenant, je lance un appel à toute personne, toute bonne foi, qui veut aider les villages. On a envie pour qu'on nous aide, pour qu'on nous sorte de là. Parce que ici, c'est pas praticable. Ok, voilà la troisième partie de notre route qui mène vers notre ville, Velengara. Ouais, voici cet intervalle ici. Il faut voir là où il y a des arbres comme ça. Ici, c'est comme un marigot. Comme je vous ai montré au niveau de la deuxième partie, ouais, ici aussi c'est comme marigot. Quand ça pleut ici, il n'y a pas de moyen de passage. Parce que d'eau ici, on ne peut pas passer. On est obligé maintenant d'aller dans un autre village pour contourner. Vous voyez, parfois on passe par Kerewan. Bouffento, Kerewan, on passe par Kail, Bessessar, Faramba et tout comme ça jusqu'à arriver à Velengara. Mais voici, ici, on a besoin d'aide, on a vraiment besoin d'aide. Oui, si par exemple ma vidéo sera vue par l'État, on a besoin d'aide. On n'a pas de route, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau potable. Mais on a un problème. Maintenant, il faut qu'on nous aide. Oui, nous, franchement, on peut le faire, mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas de moyens. Vous voyez, maintenant, chers internautes, chers téléspectateurs, si vous voyez cette vidéo, franchement, je vous demande maintenant de faire un maximum de partage. Ouais, pour que tout le monde dans le monde puisse voir la vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.